Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez continuer encore un peu le long chemin qui mène à une meilleure connaissance du plus ancien des arts martiaux, le Kung Fu. Les premiers modules ont permis de mettre le pied à l'étrier afin d'envisager un avenir où la condition physique pourrait aussi conditionner notre mental. Mensana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain, a marqué ce moment où les penseurs, il y a bien longtemps, ont fait passer l'idée qu'il fallait cesser de tout attendre des dieux et revenir sur Terre. Revenir sur Terre pour prendre soin de soi. Le Kung Fu d'ailleurs est né ainsi vers 527 après Jésus-Christ dans un temple qui portait le doux nom de Shaolin, la jeune forêt. Là où un moine bouddhiste du nom de Tamo redonna aux moines présents une santé de fer et la possibilité de perpétuer ainsi la spiritualité du lieu. Nous allons donc ensemble aborder progressivement l'étude du Wushu afin d'améliorer encore un peu plus notre Kung Fu. Nous nous sommes penchés, souvenez-vous, sur ces concepts dans un module précédent. Au fait, nous avons parlé de Neitia, de Waitia, pour distinguer les pratiques lentes et rapides. Comme on se plaît à le dire parfois, la première et la seconde moitié de notre existence. Réalisons cependant que ce changement ne se fait pas en une nuit, que ce changement du rapide vers le lent s'opère sur de nombreuses années, voire de nombreuses décennies. Cela veut dire quoi ? Mais que tout simplement le pratiquant de style interne pourra s'essayer à loisir aux pratiques plus rapides, plus expressives. Mais également, ça veut dire aussi que le pratiquant de Kung Fu de combat habituellement très dynamique pourra, devra se pencher immanquablement sur les pratiques originelles de son art. Nous allons voir ensemble, dans les jours à venir, dans les modules suivants, un ensemble de formes rapide de Taolu à main nue. D'autres formes, simples aussi, avec une arme traditionnelle. Et tout un programme de courbatures.